Père de Pénouille, y a un petit bois. Les écureuils y font la loi. En passant dans les épinettes, Marie lui met un pendu sa roulette. En passant tout le long du bois, y a quelqu'un qui a trouvé ça. J'ai ma fille, mon boxeur. Aussi ma pipe et mon tabac. En passant par les épinettes, Marie-Galie met la femme sa roulette. En passant tout le long du bois, y'a quelqu'un qui a trouvé ça. Avec ma guinée, j'ai eu adieu. Du gros brésil, relève du bois. En passant par les épinettes, Marie-Galie met à part du Saint-Roulette. En passant tout le long du bois, y'a quelqu'un qui a trouvé ça. À la maison, ma retourna, car mes amours y sont là-bas. En passant par les épinettes, Marie-Galie met à part du Saint-Roulette. En passant tout le long du bois, y'a quelqu'un qui a trouvé ça.
Thank you.
Il était une fois une petite fille dont le cœur battait plus vite que celui des autres personnes. Ça dérangeait les gens à cause du bruit. Elle essayait de leur expliquer. C'est un cœur d'oiseau. Je suis dans un corps qui n'est pas le mien. C'est pour ça que mon cœur bat si vite. Je suis un oiseau. Qu'est-ce qu'elle dit? Pauvre folle, elle va mal finir. Alors elle s'enfuyait. Elle voulait disparaître, se laisser emporter par le vent. Finalement, la pluie l'apaisait, alors elle rentrait chez elle. Elle continuait à vivre malgré tout. Petit à petit, les gens se sont habitués au bruit de son cœur. Ils ont même fini par l'oublier. Personne ne s'est rendu compte de ce qui se passait. Et c'était très bien pour elle.
elle aussi s'habituait. Elle commençait même à aimer son corps. Elle se sentait de plus en plus légère. Personne ne remarquait son sourire quand elle regardait le ciel. Et puis, un jour, les gens ne savaient pas si c'était quelqu'un qui mourait ou quelqu'un qui naissait. Mais une chose était sûre. Tout le monde aurait aimé partir comme ça.
Ай, вон оно! О! Mosquito.
Thank you.
Le dîner. Réveille-toi. Allez, on va manger, c'est prêt. Oh, j'ai pas bien faim. Allez, viens manger. Tu peux pas aller pêcher si tu manges rien. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, ben tant que je serai vivant, t'iras pas à la pêche le ventre vide. Alors tâche de vivre longtemps. Et fais attention à toi. Santiago, je pourrais revenir avec toi si tu veux. On a de l'argent? Oh non, non. T'es sur un bateau qui a de la chance, faut y rester. Je sais bien que c'est pas par découragement que tu m'as quitté. Ça fait 84 jours que j'ai rien attrapé. Reste donc avec eux, va. C'est papa qui veut que je parte. Je suis pas assez grand. Faut que j'obéisse. Je sais, c'est normal. Quand j'avais ton âge, je grimpais au mât d'un bateau à voile qui faisait les côtes de l'Afrique. J'ai vu des lions sur les plages certains soirs. Ouais, je sais. Tu m'as raconté. On aura une bonne journée demain avec ce courant-là. Où est-ce que tu vas aller? Oh, le plus loin que je pourrai, pour rentrer quand le vent tournera. Santiago, quel âge j'avais quand tu m'as emmené dans un bateau pour la première fois? 5 ans. Et t'as bien failli y rester. J'ai amené le poisson sans l'avoir assez fatigué. Et il a failli te démolir. Tu te rappelles? Je me rappelle tout ce qui s'est passé depuis la première fois qu'on est sortis ensemble. Bonne chance, Manoline. Bonne chance, grand-père. Te voilà, toi. Tu vas faire un bel appât. Des fois qu'il y en aurait un gros dans les environs. Il doit être énorme. Viens manger, poisson. Allez. Avale-le. Mon Dieu, faites qu'il morde. Elle est morte. Puis remonte doucement, que je t'enfonce le harpon dans le corps. T'es prêt? Allez! Oh.
Eh ben, dis donc. Pour un gros, c'est un gros. V'là remorqué par un poisson, à présent. Qu'il n'y a qu'un homme contre lui, et un vieux en plus. Faut que je lui montre qui je suis. Comme je leur ai montré le jour où, dans une taverne de Casablanca, j'ai joué au bras de fer avec un grand noir, l'homme le plus fort des docks. On était restés toute la journée et toute la nuit l'un en face de l'autre, nos deux mains agrippées. Chacun de nous devait faire plier le bras de l'autre et aplatir sa main sur la table. Allez, vas-y, vas-y. Tout le monde pariait à qui mieux mieux. Les allées et venues ne cessaient pas à la lumière des lampes à pétrole. Ils ont fait 11 heures et ça continue. À un moment donné, on décida de relever l'arbitre toutes les 4 heures. Pour qu'il puisse dormir. La plupart des parieurs voulaient qu'on déclarât match nul, parce qu'ils devaient retourner au dock chargé des sacs de sucre. Sans cela, bien sûr, ils auraient tous préféré voir la fin du match. Oui, Santiago! Allez! Tu vas la voir! Allez! Démolis-le! Ah! Garçon! Bravo, petit! Très beau duel! Le duel avait commencé un dimanche matin.
C'est le lundi matin qu'il se termina. Longtemps après, on m'appelait encore le champion. L'homme, c'est pas grand-chose à côté des grands oiseaux et des bêtes. Dieu merci, ces bêtes-là, c'est pas aussi intelligent que nous, les humains qui les tuons. Ça les empêche pas d'être meilleurs que nous et plus malignes. C'est pour ça que je préférerais être cet animal-là dans les eaux sombres de la mer. Le poisson est mon frère. Et pourtant, faut que je le tue. Heureusement qu'on n'est pas obligé de tuer les étoiles. À supposer que tous les jours, un homme devrait essayer de tuer la lune. Bon, la lune, elle s'en va. Mais à supposer que tous les jours, un homme devrait essayer de tuer le soleil. On a encore de la chance d'être comme on est. On a déjà assez de mal à vivre sur la mer et à tuer nos frères. J'ai jamais vu ou entendu parler d'un poisson comme ça. Et maintenant, on est liés l'un à l'autre. De moi. C'est vrai que je suis un vieil homme fatigué, mais j'ai réussi. C'était trop beau pour être vrai. J'ai repeint.
n'aurais jamais dû aller si loin, poisson. Pardonne-moi, poisson. Bouge pas. Tiens, avale ça. Il m'a bien eu, Manoline. Pas lui, en tout cas. Pas le gros poisson. Non, ça c'est vrai. C'est les autres, après. Est-ce qu'ils m'ont cherché longtemps? Ben, c'est sûr. Alors, ça a été dur? Ah, ça oui. Et tu sais, tu m'as manqué. On va se remettre à pêcher tous les deux ensemble, maintenant. Non, j'ai plus de chance, c'est fini. On s'en fiche de la chance, j'en ai pour deux, moi. Faut te remettre vite, hein, parce que j'ai encore des trucs à apprendre et comme toi, tu connais tout. Bon, je vais chercher à manger, je reviens. Repose-toi bien, grand-père.